du coup, maintenant, tout cas prêt, je vais essayer d'aller me poser dessus puis essayer de le bloquer pour essayer de me mettre au mieux. J'essaierai la prochaine fois de vous prendre la caméra sur ma tête pour que vous arriviez mieux à voir. Du coup, c'est parti. Là, j'ai réussi à en mettre une. Bien sûr, il s'agit un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Et puis, ce que j'ai pas été malin, c'est de prendre l'autre bouc dans ma poche. Il n'a pas l'air d'avoir trop mal. Il y en a des, il s'agit de droit, puis ils sortent. Tandis que celui-là, il est encore tout calme. Je pourrais droit me remettre dessus pour mettre la deuxième. Comme ça, je pourrais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Voilà, du coup, vous pouvez voir que c'est mis. Du coup, c'est comme je vous disais, dans l'oreille ici, on a deux veines que vous pouvez voir ici. Une ici, une en haut, puis il faut droit la mettre entre. Là, j'ai pas trop mal réussi. La preuve, c'est qu'il a pas eu trop mal, c'est qu'il a, il a pas trop peur de moi, c'est que ça doit aller pas trop mal. Un crapule. On va lui trouver un petit nom encore. Je crois que, ah non, celui-là, j'ai déjà appelé, j'ai déjà noté ce matin, il s'appelle Cappuccino. Voilà, comme ça, vous pouvez voir, il a l'air d'être en forme, vous voyez. Pas trop de diarrhée, tout ça. Et puis vous avez l'autre ici, qui est né hier, le petit mâle, qui s'appelle Nike, je crois que je l'ai appelé. Et puis qui est bouclé aussi, on l'a bouclé avec mon oncle, c'est très simple, vous voyez. Puis il se laisse caresser, c'est ces moments-là qu'il faut, dès le début, si vous voulez des animaux qui soient tous un peu plus tranquilles, puis que vous puissiez caresser à l'avenir, c'est au tout début qu'il faut venir les caresser un petit peu tous les jours. Vous voyez qu'ils aiment bien se faire gratter. Hein, Pichou? Voilà, puis en général, pour mettre ces boucles, on a un délai de 3 jours ou bien 7 jours, je ne sais plus exactement, pour leur mettre les boucles et puis les inscrire justement sur cette banque de données que je vous montrerai après. Mais du coup, vous voyez que ça s'est plutôt bien passé là. Il n'a pas l'air d'être trop traumatisé. Et puis du coup, voilà. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que les vaches, en général, quand elles ont vêlé, on essaye de les laisser un jour dans le box pour voir qu'elles soient tranquilles avec leur veau puis qu'elles aillent bien. Alors là, on n'a pas droit trop réussi avec toutes puisque ça vêle un peu tout en même temps. En général, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, puis du coup, comme je vous disais, ce que j'essaye de faire, c'est de venir un petit peu, une ou deux fois par jour, venir un petit peu les caresser, les apprivoiser. Vous voyez qu'il y a la mère qui est là. Ça, ouais, elle ronchonne un petit peu, mais ça la dérange pas plus que ça. Puis toi, ça te dérange, hein? Et puis, il y a des petites caresses. Après, j'aime bien te sauver un petit peu, mais voilà, si on arrive à les caresser un petit peu, c'est toujours bien. Voilà, ça c'est la petite femelle qui est née avant-hier. Vous voyez qu'elle a un petit peu du punch. Là, on voit pas trop, mais il y a certaines heures comme ça, comme le matin ou bien le soir, ben, ils sont tous fous, ils sont tous agités, ils sautent dans tous les sens. Peut-être qu'on verra après. Ils ont l'air vraiment d'être bien en forme. Vous voyez, ils sont curieux. Ils vont beugler. Hein, crapaud? Oh oui, voilà. Du coup, vous avez vraiment de la chance, vous avez pu assister aux dernières secondes, elle vient de faire beau, vous voyez. Du coup, là, elle est en train de le lécher, de nettoyer. Eh ben, salut, hein. C'est petit. Pour le moment, ça a l'air d'aller, je vais enlever un petit peu autour de la tête pour qu'il puisse respirer. Elle est en train de le lécher pour le stimuler. Et vous voyez qu'il a l'air d'aller.
Ça va aller quelques minutes le temps qu'elle le lèche, puis après il sera tout en forme. Vous voyez, il essaye déjà de se remuer dans tous les sens. Un crapaud. Ah. Voilà, ça se trouve, on est le lendemain. Vous voyez que la vache et le veau, du coup, je les ai déplacés, je les ai mis ici. Comme ça, la vache, je peux la bloquer ici. Si jamais je veux faire têter le veau, bien aller le boucler après. Pour le moment, il a l'air de bien aller. Hier soir, je suis encore venu voir. Il têtait bien, ça a l'air d'être bon. À mon avis, il a pris tout ce qu'il fallait comme colostrum. C'est vraiment hyper important qu'ils boivent hyper vite les veaux. Parce que le premier lait de la vache qu'on appelle le colostrum, c'est vraiment là où c'est qu'il y a le plus d'anticorps pour les veaux. Ils en ont vraiment besoin. Alors c'est hyper important, je crois qu'il a bien bu ça. Et maintenant j'attends qu'elle vienne se coincer. Je mettrai un peu du regain après pour que je puisse m'occuper du veau, aller voir comment ça va. Et puis voilà, puis celle-là, ben, je pense avec le petit veau qui est là-bas, je vais les repasser de l'autre côté, ça sera bon. Après, je vais aller refaire un petit tour de voir s'il y en a une qui prépare. Et puis, on essayera de la mettre dans le box si jamais. Voilà, du coup, ça commence bien, la journée va bien. Voilà, on se retrouve. Alors, on est dimanche, deux jours après que je vous ai repris la caméra. Il y a eu un petit veau de plus ce matin. Je vous ai pas trop montré parce que c'était un peu galère pour la mettre dans le box. Et puis, du coup, ce qui nous fait un total, pour le moment, en 4 jours de 6 veaux. Ah, ici, deux là, je pense. Non, un là, trois, quatre là-bas. Peut-être un ici encore. Ouais, cinq, et puis le dernier, il est dehors. Six. On a un total pour le moment de 4 mâles et 2 femelles. Et puis, du coup, ben, c'est plutôt bien allé. Pas dû aider encore. Du coup, ça se passe plutôt bien. Les vélages se passent plutôt bien pour le moment. Et puis, du coup, voilà. J'aurais pu vous montrer un petit peu les étapes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis on se reprendra demain matin pour voir s'il y a encore d'autres vélages. On se reprend deux jours plus tard, après la dernière fois que je vous ai pris à la caméra. Du coup, il n'y a pas eu de plus de vélages pour le moment. On en est à 6 veaux pour le moment, ouais, 6 veaux. Du coup, vous avez vu un petit peu tout le déroulement des vélages. Puis puisqu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent pour le moment, ben, je vous montrerai la suite au prochain épisode, j'espère. Et du coup, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire si vous avez des questions sur les vélages et tout ça encore, des choses que j'aurais pas parlé. Et puis, dites-moi si ça vous ferait plaisir que je continue à vous montrer un peu le cycle des veaux. Je pense que je vais faire un petit vlog peut-être en vous expliquant un peu les veaux, comment ils grandissent, un peu vous montrer comment ils évoluent et tout ça. Puis la suite des vélages, je vous continuerai à faire des petites vidéos, je pense. Mais du coup, sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos et à laisser un gros like, ça fait super plaisir. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très 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 vite. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, c'était Jérémy, bye bye.